Salut tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo qui cette fois va concerner les crèmes minceurs. Donc je vous avais dit que je vous ferais une revue sur les crèmes que j'ai eues dans la bitrousse, donc c'est-à-dire les crèmes LPG qui sont comme ceci. Je sens l'odeur à travers, ça monte, ça sent fort. Je voulais vous faire également la revue sur le Yves Rocher parce qu'il m'en reste vraiment une crotte de bic là. Hein, je veux dire, écoutez-moi ce bruit creux. Et vous parler un petit peu de celle que je commence, qui est celle de Auriège, qui était également dans une de mes bitrousses. Donc c'est parti, let's go, on y va, go 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 go, à toi Dora. Donc, alors, pour parler d'LPG, donc LPG il m'en reste vraiment un fond, donc ici pour celle-ci, le soin, donc qui est beaucoup plus épais et crémeux. Et le sérum, il m'en reste quasiment pareil. Donc en fait, ce sont quasiment des boîtes vides, voilà. Alors vous allez me dire, pourquoi t'as pas continué jusqu'à la fin et t'as pas terminé tes trucs et t'as commencé un autre? Ok. Bah en fait le truc c'est que j'ai l'impression que mon corps s'est déjà habitué, donc c'est con hein, à dire, mais l'odeur est vraiment très forte, donc c'est une odeur que j'aime pas particulièrement. Alors il y en a beaucoup qui vont dire ça sent super bon, concrètement ça sent bon, mais moi c'est une odeur qui est trop entêtante, et par exemple il y a des parfums qu'il y a des gens qui aiment bien, et moi je les aime pas parce qu'ils sont trop forts, et cette odeur est vraiment trop forte, mais ça sent bon, hein, ça sent vraiment comme du parfum, je sais pas comment dire. Donc concrètement, qu'est-ce que ça a donné? Alors, ces deux crèmes là m'ont épaté dans le sens où ma cellulite elle a vraiment 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 diminué alors que j'ai une cellulite qui est quand même assez tenace, rebelle, méchante, pas cool, et donc voilà. Et donc alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis ce soin là en journée, enfin en journée je veux dire le matin avant de m'habiller et tout la nuit. J'ai mis celui-ci qui est une texture un peu plus épaisse, donc je vais vous montrer. Il ne reste pas grand chose, hein, peut-être une crotte de bic, vraiment pas grand chose. Donc voilà, donc en fait c'est, j'en mets pas beaucoup parce que je suis radine, hein, vous me connaissez. Vous voyez c'est une crème vraiment épaisse, enfin plus épaisse. Et donc quand vous l'étalez, voilà, au moins j'aurai plus de cellulite sur la main, ça qui est cool. On va mettre entre les doigts. Hein. Bon bref, voilà. Ça laisse pas un film gras, ça laisse pas un truc désagréable. L'odeur reste sur votre peau, donc par exemple essayez d'éviter de mélanger tous vos parfums en même temps. Et ça sent très fort. Le sérum, lui, je le mettais plus le soir, parce que pour moi, en fait, dès qu'on utilise le mot sérum, pour moi, ça veut dire que c'est un truc un peu plus puissant, parce que c'est un concentré pour moi, vous voyez, sérum. Et là, par contre, la texture est, je vais vous montrer, oups, beaucoup plus liquide, puisque ça peut faire une goutte. L'autre, vous faites ça, ça reste au bout du truc, hein, un peu comme le caca au bord du cucu. Et donc, voilà, c'est assez fluide et comme ça. Donc là vous voyez bien. Et en fait ce qui est bien avec ces crèmes c'est que elles sont pas longues à pénétrer, mais au moins ça vous laisse quand même un laps de temps pour vous masser, parce qu'il y a des crèmes qui pénètrent tellement vite qu'au final vous n'avez pas le temps de vous masser. Et moi quand il n'y a plus rien sur la peau à palper, j'aime pas trop, hein. Je vais être honnête, si vous faites comme ça, non il n'y a rien, au moins que vous sentez que vous faites pénétrer quelque chose, là c'est beaucoup plus agréable. Donc au niveau des centimètres, en fait j'ai perdu mon mètre ruban, enfin c'est mon mari qui l'a perdu, donc je vais le taper, mais je sais pas ce qu'il en a fichu, je ne le retrouve pas, donc je n'arrive plus à prendre mes mesurations en ce moment, donc je vais voir peut-être pour demander, pour en avoir un en boulot ou essayer de retrouver le mien, bref, mais ces crèmes là m'ont quand même, je trouve, pas spécialement affinées. Mais la cellulite, je vous assure, le grain de peau s'est amélioré mais d'une de ses forces, donc si vous voulez perdre des centimètres, je pense pas que c'est ce qui va vous combler. Par contre, si vous voulez vraiment vous dégager un maximum de cellulite, alors je dis pas que tout est parti, hein, c'est pas vrai, mais il y a beaucoup beaucoup qui est parti, là je vous la conseille dans ce cas-là. Donc elles sont au prix, je crois, de 39€ chacune sur le site LPG. Donc je pense qu'il y a un truc ici, je sais plus. C'est lpgsystems.com. Bref, je vous mettrai ça en barre d'infos. Je sais pas si on peut les commander comme ça, mais je pense que oui, hein, parce que sinon on les aurait pas eu dans la bitrousse. Parce que si quelqu'un qui aime bien, il va se dire ouais, je voudrais les commander. Bah non, tu peux pas, c'est que dans la bitrousse. Je vois pas l'intérêt. Donc je pense que voilà. Donc moi, je vous récapitule ça. Pour la cellulite, méga super, méga cool. Pour le tour de centimètres perdu, lose. Ok. Parce que là, vous avez compris. Yves Rocher, je vous en avais parlé, donc vide de chez vide. Alors, action, il vous promet quoi? Action affinante et raffermissante prouvée du ventre. C'est vrai. Oui, c'est bizarre. Les gens, ils auraient tendance à dire, ouais, c'est de la merde, Yves Rocher, c'est de la merde. Genre, comme si c'était compatible. Bon, bref. Moi, j'ai trouvé bien, dans le sens où c'est vrai que ça m'a permis d'avoir un ventre beaucoup plus plat. Alors, c'était pas genre plat plein, hein, non plus. C'était plus plat que moins plat.
dans la nuance. Et donc mon ventre était vraiment plus plat, pas beaucoup plus ferme par contre, je trouve pas qu'il était plus ferme. Avec la body tonique de chez Garnier, il était plus ferme, mais par contre beaucoup beaucoup plus diminué. Donc lui il contient du, je crois que c'est maté ou quelque chose comme ça là, café, graines de machin. La fille en fait c'est même parce que ça applique sur le bide. Graines de café vert, voilà. Issu de l'agriculture biologique, pas de composants animaux. Et un étui en carton issu des forêts gérées et imprimées des encres végétales. Bon bref, c'est un super truc génial. Et j'avoue que franchement pour le prix, je crois que c'était 9 euros et quelques. Je crois que j'ai payé ça, je sais plus. Ou 12, enfin 12 euros maximum quoi, bref. C'est un 150 ml, il en faut pas beaucoup puisque j'en mettais matin et soir. Et vous voyez que je le termine à peine, ça fait un moment que je l'ai. Donc oui, pour ventre plat, oui. Raffermi, non, loose. Ensuite là je commence la Oriège Paris, gel liporéducteur aux extraits de café vert et maté. Alors, je peux pas encore donner un avis objectif puisque je l'utilise pas depuis genre des milliers des cents. Mais je peux juste vous dire que c'est vrai que ça affine quand même pas mal, je trouve. Donc, il y a marqué que c'est un truc liporéducteur, donc ça va enlever aussi la cellulite. Normalement, il est censé faire les deux. Mais moi, je trouve qu'il m'affine. Il marque redessine la silhouette grâce à son extrait de machin bidule truc. Masser jusqu'à complète pénétration du produit. Bon, ça me semble logique. Matin et soir. Je vous dirai ça pour l'instant, ça arrive ici parce que je le commence à peine. Donc, et pour celui-ci, c'est un gel un peu transparent et vert, comme ça, vert jaune, anis. Donc pour l'instant, c'est en étude et c'est vrai qu'il est très, très agréable à l'application. En fait, je vais avoir une main qui aura plus de cellulite, qui va être toute fine et tout, et l'autre va être toute patate. J'adore. On voit déjà, non, regardez. Ouh. Je suis capable de dire en plus, c'est vrai. Bref, et pour celle-là. Alors je vais vous montrer, c'est une crème, un peu plus crème, hein, texture crème, et verte. Par contre il y a un truc que j'aime pas qui vient de se mettre dedans, c'est genre, vous savez le truc qui sèche au bord du truc là, du tube. Donc elle est comme ça, elle, celle-là. Donc c'est une texture crème. Alors c'est bizarre parce que c'est la même chose que l'autre, mais en texture crème, bon, bref. La même couleur que le bouchon. Et c'est vrai que l'odeur est agréable, enfin, voilà, j'ai tout mélangé ensemble. Donc l'odeur devient plus très agréable puisqu'il y a 4 produits mélangés ensemble. Mais c'est vrai que pour une fois ça marche. Donc voilà. Donc au niveau des produits, c'est un peu tout ce que je voulais vous dire puisque je n'ai pas terminé celui-ci pour l'instant qui est encore pas mal rempli. Enfin pas mal. Non, il est à la fin, mais bon voilà. Mais ce sont ceux-là que j'utilise en ce moment. Donc voilà, voilà. Donc moi je vais vous laisser. Genre, je vais vous laisser, hein, chacun sa merde. Si vous voulez rester, vous restez. Hein. Je déconne. Je vous fais tout de suite une autre vidéo et aujourd'hui c'est marathon vidéo donc the same face, the same vêtements, clothes, yes, and the same coupe de cheveux pour Ave, yes, all the same, the all the vidéo. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao.